Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 25 de l'histoire Speed Most Wanted après 4-5 mois d'absence, voire même plus. Mais bon, je suis bien décidé à finir ce let's play, ce fichu let's play là qui dure depuis un an. Donc on est parti, on va pas traîner. Alors je sais plus trop où on s'est arrêté. Je retrouve mes marques par rapport aux touches. Je crois que c'est B, ouais, pour afficher les courses, etc. Donc, ouais. J'en étais où? Il manque juste les courses, ok. Donc, c'est parti. C'est parti, on est parti. Toujours avec ma petite Mustang. Ça y est, ça me revient. Je m'en rappelle maintenant. J'avais projeté de m'acheter une Lamborghini dans un futur proche, enfin dès que ça serait possible. Et pour l'instant, je crois qu'on en est au quatrième de la liste noire. Non, je pense plutôt que c'était le 8e ou 6e, je sais plus. J'ai pas bien vu quand j'ai sélectionné les courses, là, on verra après. Bon, alors où je fais cette vidéo, je pense que... à l'heure où la vidéo sortira, il y aura déjà les vidéos sur Undercover qui sont sorties. Bon, j'espère que vous auront plu. Que dire dessus? Donc, ça rappelle fortement quand même Most Wanted et surtout Need for Speed Underground 2. Et je me suis un petit peu enseigné sur le studio qui a fait Undercover et Pro Street. Et en fait c'est bien Black Box Studio, mais apparemment il a fait tout Need for Speed ce studio là. Et je sais plus en quelle année, il s'est divisé en deux. Enfin bon, je vais pas voir pour pas vous souvenir un peu avec les détails, mais bon. C'est quand même bien, enfin, comment dire, c'est quand même important de savoir qui c'est qui a fait le jeu, quoi. Et du coup, c'est un peu bizarre du fait de voir qu'Undercover est aussi dégueulasse graphiquement, alors que Pro Street est sorti un an avant. Donc Pro Street sorti en 2007, Undercover en 2008. Bah, Pro Street, il était mieux fini graphiquement, quoi. J'ai l'impression que sur Undercover, ils ont délaissé le jeu par rapport au scénario, aux scènes faites avec les acteurs, etc. Enfin bon, je vous parle d'Undercover alors qu'on est sur Infantile. Ouais. On a pas fini de gueuler, là. Bah, du coup, avec les flics, on va rattraper les autres. Bon. Ah oui, je me rappelle aussi que j'avais galéré pour faire les défis en poursuite. À chaque fois, je me faisais arrêter. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo fail, donc était un peu long quand même. Bon, je suis bien décidé à finir ce let's play. On va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible les différents membres de la liste noire. Essayer d'arriver le plus vite possible à Razor, reprendre notre M3 et nous casser dans la ville de Carbone. Mais bon, Carbone, je pense pas que je ferai vidéo dessus. Enfin, en tout cas, pas en soi, pas pour le moment. Déjà occupé avec Undercover. Enfin, après, je sais pas trop si je ferai un let's play dessus. Undercover, je l'avais dit sur la première vidéo. Après, j'ai enchaîné sur la seconde. Malheureusement, j'ai eu un petit souci au niveau du micro, donc j'ai fait plutôt un vidéo gameplay avec du son, avec de la musique en fond sonore, tout en laissant le jeu tourner. Avec quelques coupures quand même. Et je suis pas trop chaud pour faire un let's play dessus. Parce que si c'est comme pour Most Wanted, ça traîne pendant un an, je vois pas trop
l'utilité de faire un let's play. Surtout que bon, j'ai toujours 3 let's play en cours. Si je leur commence un quatrième, faut déjà que je termine ceux qui sont déjà commencés, je pense. Bon, on va essayer de péter les flics là. Bon, l'idée là, c'est que je repeigne la voiture pour faire descendre le niveau de notoriété, mais bon. Je pense que j'en aurai besoin pour les prochains membres de la liste noire. Bon, là, il faudrait que quand même j'essaie de les semer. Bon, je suis désolé hein, si par moment je change la caméra, c'est pas voulu, hein, c'est les touches. J'ai l'habitude de jouer avec les touches pré-serrées par rapport aux flèches. Je rappelle que je joue sur clavier et pas sur manette. Et des fois mes doigts y ripent. Bon. Les sommets là. Putain, il suffit qu'il y ait l'hélicoptère en plus. Centrale, niveau d'essence critique, nous abandonnons la poursuite. Moi ça augmente plus quoi. Niveau 4 ça. Les 5 ici sont pas encore débloqués. Ça c'est sûr ils sont plus coriaces que sur Undercover. Encore qu'Undercover, je sais pas. J'ai pas dépassé niveau 1. Nickel, c'était planté dessus. Bon. Là, c'est encore 7. N'arrivez pas trop vite. On nous a percuté. Le suspect s'échappe. 10-41, je suis en train de dépasser. J'ai fait le con. Merde, merde, merde. Ah, pas possible. Bon, au moins, comme ça, ils m'auront lâché. Et je crois que j'ai des bonus là pour éviter de me faire d'avoir une croix. Parce qu'au bout de 3 croix on perd la voiture. On va payer avec un pass, voilà. Ouais ça va, en plus j'en ai 5 donc j'en ai qu'une. Nickel. Ah, en plus ouais c'est vrai j'avais gagné la CLK. Bah tiens on va l'utiliser tiens pour les autres courses là, pour l'instant. Je prendrai la Mustang pour défier l'autre. D'ailleurs, c'est qui? Ouais, c'était. Ah ouais, niveau 5, ouais. Membre de la liste numéro 5. Bon, bah. Donc, on est plus très loin de la fin. Bon, il reste quelques courses à faire. En plus, je crois que. Ouais, de mémoire, je me rappelle que dans les précédents épisodes, j'avais dit que je ne filmerais pas les courses. Que je ferais que juste les poursuites et les membres de la liste noire. Mais bon. Plus je reprends les vidéos, autant faire une vidéo sur les courses. Par contre, ça change par rapport à la Mustang. Petite Merco. Erreurs quand même, hein. Ouais. On va essayer de doubler quand même. L'autre avec ses golf là, commence à m'énerver. Hop.
c'est censé être fou les courses. Bon, encore les filles, c'est pas possible. Ah ça va. Ils ont tourné. Il y avait des flics. Mais je crois qu'en plus c'était marqué sur la course que c'était un niveau élevé. Risque de flic. Bon, niveau 1 ça va, ça sera simple à assumer. Allez, on est pas mal. Compris, bravo 2-4. Les unités sont libres pour intervenir. Ah, il va pas me doubler là, quand même. C'est bon. Bon, maintenant, faut que je les sème en espérant ne pas me refaire choper. Se cacher après. Ça y est, je suis en poursuite. Dans le coin. Mais bon, on poursuit toujours. Il s'échappe. Mettez des unités en place pour verrouiller le secteur. Perdu le véhicule, j'ai été à portardé. Cool. Bon, il m'a encore repéré. Des fois, on arrive à se planquer même en. Même si c'est pas une zone où on se cache. Normalement, puis c'est bon. Je pense pas que. Ouais, je vais pas faire les autres courses ou alors je les ferai en off. Parce qu'ils disent qu'on peut en faire 7 et après on est bon. Niveau thune, je pense que j'ai assez pour. Si je dois m'acheter une autre voiture et l'améliorer. En plus, je la revendrai celle-là. Déjà je suis à la bourre. Faut pas que je me faille. Hein. Véhicule dangereux qui a failli le faire sortir de la route. Le suspect a été vu dernièrement en direction de l'est, dans des nouvelles. C'est faux.
je croisais que personne. Comment l'automobiliste peut savoir que je l'ai percuté, etc. Putain, c'est pas possible, genre, voilà, encore des flics. Putain, maintenant à chaque course, il y a des flics. Niveau 2. 10,85, il me faut du renfort pour piéger le suspect. Attends, encore plus choix semé, enfin bon. Bien compris, c'est que 12. Les unités sont libres pour intervenir et sont en route. Je suis pas sur la bonne route, je crois. Besoin d'un bouclage, je répète, besoin d'un bouclage sur ma zone. Unité en direction de la poursuite code 3. Le suspect a été signalé dernièrement en direction de l'est sur la route du tunnel de Camden. Le responsable confirme le verrouillage du secteur. Voilà, ça coupe en plein dialogue. Parti pour essayer de les semer. Je pense que je fais des coupures hein, sur ces moments là ou faire des avances rapides. Il y avait temps de pas faire des épisodes trop longs pour pouvoir enchaîner assez vite. La Mustang. Hop. Allez, je coupe la vidéo là. Je reprends pour le prochain épisode pour défier Webster. Je vous dis à la prochaine. C'était Diablo. Salut!